Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour des enfants, tout est permis. On a plein de choses à voir, hein, vraiment encore plein d'infos avec le pop du KVK. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune. Et si ce n'est pas encore fait également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. On a éclaté la barre des 700 largement. À présent, on y parle de tout, de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne, mais aussi des jeux que vous ne voyez pas et auxquels vous jouez. N'hésitez pas à venir échanger avec nous sur le Discord. C'est facile, c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos. Les amis, donc, comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo d'hier, le KVK a pop et enfin, on connaît nos adversaires et on n'est pas déçu du tout de nos adversaires. Bien au contraire, vous allez voir qui on affronte. C'est assez simple. Regardez, on affronte que du lourd. On affronte le 1401, le royaume de Death Squad. Alors Death Squad, qui est Death Squad? Death Squad, c'est un petit peu le cousin germain de Bunny. Bunny qui est sur le 1254. Eh bien le 1401, il est encore plus énorme que le 1404. Regardez, Death Squad qui en est son roi, qui est un joueur vraiment très connu. Regardez, 225 millions de puissance, 1 milliard 31 millions, j'allais dire 1 million, 1 milliard 31 millions de morts. C'est assez impressionnant, 331 millions de T4, 224 millions de T5. Il a pratiquement 68 millions de morts. Enfin, c'est énormissime ce joueur qui est très connu de la communauté. Un bon trash talker aussi qui a fait pas mal de drama. Mais c'est lui le lead du 1401. Vraiment, ça va être tendu, c'est un très gros royaume. On a un comparatif hein, des puissances de tous les royaumes qui sont actuellement sur notre KVK. Et croyez-moi, ça ne rigole pas du tout pour vous donner l'ordre d'idée. Donc, on est avec le 1401, le 1239. Je vais vous donner les puissances après. 1239, on les connaît, on les a déjà affrontés lors du dernier KVK. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le KVK, le royaume de la Swagger. 1341, gros royaume aussi. 1253, 1177, très gros royaume aussi, 1256, 1194, royaume de Midos, hein, qu'on connaît bien évidemment, puisque c'est mon tout premier royaume où j'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi le jeu, et pour finir le 1166 qui est aussi un très gros royaume. Si je dis pas de bêtises, les royaumes impériums sont le 1166, nous-mêmes le 1256, le 1177, le 1239 et le 1401 évidemment. Au niveau des puissances, ça ne plaisante pas du tout, comme je vous le disais. Le plus puissant est bien évidemment le royaume 1401 qui est largement au-dessus du lot. Il a une puissance vraiment impressionnante puisque si on fait le cumul des alliances qui se trouvent en Terre du Roi, il est à 45,8 milliards de puissance. Le 1166, 35,1 milliards. Le 1177, 34 milliards. Le 1239, 35,6 milliards. Le 1253 qui est un petit peu en dessous, 28,6 milliards. Le 1341 pareil, 27,9 milliards. Le 1194, 33 milliards. Et nous-mêmes, 38 milliards. Donc, le royaume le plus puissant largement en puissance cumulée des alliances en Terre du Roi est le 1401 qui nous met 7 milliards, pratiquement 8 alors que nous sommes les seconds à 38 milliards. Ça va être un KVK très tendu. Et regardez bien. Il y a un score 20 millions, on est à 1 jour 18 heures, donc ça fait seulement 6 heures que le reset du serveur a eu lieu. On est à 20 milliards pour le premier, pour le 1401. Alors vous vous dites, ah, ben 20 milliards ça correspond à quoi? C'est simple, regardez un comparatif justement avec le 1254 qui a eu son pré-KVK qui a popé exactement au même moment. Regardez donc ce comparatif, le 1254. 1 jour 18h 44 minutes, nous c'est 1 jour 18h 16 minutes, donc à une demi-heure d'écart, c'est pas ça qui fait la différence de points. Ils ne sont qu'à 16 milliards, donc clairement ils sont très nettement derrière en termes de points. S'ils étaient sur notre KVK, ils ne seraient même pas premiers. Leur deuxième, qui est le serveur 1375, qui est un serveur très très actif également, serait également deux crans en dessous, hein, puisque notre deuxième, le 1239, est à 14,5 milliards. Et les troisièmes sont du même niveau, hein, 1173, 10 milliards des deux côtés, le 1253, 9 milliards des deux côtés. Donc après, c'est équivalent. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que certains royaumes, alors je vous dégage ce screen, certains royaumes ne font pas les maraudeurs à fond. Typiquement, nous, regardez, on est sixième à 7 milliards, 6 milliards 951 millions, mais on a eu
les consignes, nous, de ne pas s'investir pleinement sur les maraudeurs. Pourquoi? Car lors du... Et je vous dis pas de bêtises, regardez, on a un long mail de notre roi qui nous dit de ne pas faire les maraudeurs. C'est très simple. Les maraudeurs rapportent beaucoup moins, sont beaucoup moins intéressants par rapport à avant en termes de reward. Hein, les coffres rapportent beaucoup moins. Et en plus de ça, en plus de rapporter beaucoup moins, il faut savoir qu'il vaut mieux investir pour un Heroic Anthem sur les barbares du royaume qui vont dropper à présent des cristaux et pouvoir monter votre techno et être plus fort possible pour le KVK. Donc, ce n'est pas forcément, excepté si vous avez vraiment illimité en points d'action en PA. Si vous avez de l'ordre de 400 000 PA, vous pouvez le faire. Mais si vous avez moins de 250 000 ou 200 000 points d'action, il ne faut pas forcer sur les maraudeurs. Sinon, vous allez avoir quelques petits soucis à monter les cristaux rapidement et être puissant pour ce KVK. En parlant justement de monter les cristaux et être puissant pour le KVK, regardez ce screen qui nous détaille les nouveaux coûts par rapport au bundle qu'on peut obtenir pour les mines de cristaux et la recherche, le centre de recherche, hein, le nouveau qui apparaît pour le KVK. Enfin, nouveau, on l'a déjà eu lors du précédent KVK, mais il n'apparaît que pour ce KVK. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des bundles qui vont pop selon les niveaux. Alors, c'est les prix en dollars. Il suffit de convertir en euros, sachant que pour eux, 1 dollar est inférieur et supérieur pardon, à 1 euro. Vous le voyez au prix des packages. Hein. Donc, si vous voyez le premier palier au niveau 5, 4, 5 de la mine de recherche, le passage 4 à 5 et du centre de recherche et de la mine, on va avoir un bundle qui va nous donner 300 000 cristaux pour 2,99$. Donc, je dirais 3,49€. Au niveau 9-10, eh ben, donc on a deux bundles hein, au niveau passage 4 à 5. Au niveau du passage du 9 au 10, pareil, on a un bundle qui se déclenche pour le centre de recherche à 5$, donc 5,49€. Passage du 14 au 15, on en a un et pour la mine et pour le centre de recherche à 5$, donc encore une fois 5,49€, qui va nous donner 550 000 cristaux. Pareil au palier 17-18 côté centre de recherche pour 10,99€ probablement. Pareil pour le passage 19-20 côté mine, puis 21-22 côté mine encore une fois. Et pour finir 24-25 pour les deux à 20$. Donc ça va être 20,49€ ou 21,99€, quelque chose comme ça, qui nous donnera cette fois 2 750 000 cristaux. Alors normalement c'est peut-être x2 ou c'est le cumul des deux packs. Je pense que c'est x2, si je regarde bien le calcul, c'est bien ça, c'est x2. Donc pour 95,90$ très précisément, on peut obtenir 12 350 000 cristaux. C'est vraiment des packs très intéressants. Alors il faut pouvoir se permettre de lâcher 100€ sur ces packs-là, mais c'est extrêmement intéressant. Ces packs-là, ils sont plus intéressants que les autres packs de cristaux. Qui plus est, si vous rajoutez à ça le fait que ça drop maintenant sur les barbares, ça peut être très intéressant. Certains ont commencé à faire des tests. Hein. On peut upgrader ces structures au maximum pour environ, si on fait bien les barbares et si on est très actif, hein, pour environ, et très, le faire très rapidement, hein, c'est-à-dire avant l'ouverture des portes, pour moins de 65$. Donc, ça peut commencer à devenir intéressant en termes de pricing pour les low spenders. Ce nouveau système avec les barbares, on va tester. Pour le moment, je suis en pré-KVK, je ne peux pas le faire, mais dès que je n'y serai plus, bien évidemment, je vais vous faire tous les tests possibles et vous allez le voir, les drops des barbares est quelque chose qui est vraiment à prendre avec des pincettes sur ce nouveau KVK, puisque regardez cette information que l'un d'entre vous m'a partagée. C'est une petite bombe en fait, cette information. Il faut vraiment la considérer et vraiment la creuser. J'ai contacté le support VIP pour avoir justement plus d'informations par rapport à ce screen et ce retour du support, parce que c'est le support in-game. Regardez le support in-game qui répond tout simplement à un gouverneur qui s'interrogeait sur le fait que les drops ont baissé. Enfin, il a l'impression que les drops ont baissé. Et regardez, après avoir tué 30 barbares tous les jours, l'équipement drop rate va diminuer. Donc, ça, c'était vraiment pas annoncé par Lilith. Il faut savoir qu'ils nous ont rajouté du drop d'équipement pour justement les free players, les loan spenders, qui ne soient pas trop pénalisés par le fait qu'il y a quand même un fossé qui se creuse. Hein. Les pauvres, ils sont tristes chez Lilith.
entre les free players, le spender et les méga baleines, puisque les équipements maintenant, ça fait toute la différence, en plus des 7 marches. Les 7 marches, on va y revenir. Mais en plus, on a donc un petit patch secret, silencieux. Je ne l'ai lu nulle part, cette information, dans aucun patch log et dans aucun échange avec les développeurs qu'on a déjà eu, qu'on a vu retranscrit par Lilith. Le dernier, notamment, c'était échange partie 5. Eh bien, regardez, hein, après avoir tué 30 barbares, ça décroît. Cette information, elle est énormissime. Faudrait pouvoir calculer sur les 30 premiers, donc il faudrait qu'on soit beaucoup à avoir ces données-là. Quel est le taux de drop sur les 30 premiers? C'est ça le problème, c'est que Lilith ne communique pas, parce qu'à mon avis, ça ferait du drama de ouf. Quel est le taux de drop sur les 30 premiers barbares et quel est le taux de drop sur les suivants? Heureusement, ça n'impacte pas, je l'espère, les cristaux sur les barbares, et donc on va pouvoir en faire masse et pouvoir monter sans lâcher un max. Mais cette information, elle est quand même assez regrettable, et encore une fois, ça peut diminuer l'impact de ce patch qui était quand même positif d'avoir rajouté des équipements sur les barbares. Je vais questionner le support VIP et si j'ai un retour, je ne manquerai pas de revenir vers vous. En parlant de patch, d'infos et de retour du support VIP, regardez une nouvelle fois le résumé des leaks qu'on a en cours et de ce qui devrait arriver très prochainement. Ce screen, encore une fois, c'est l'un d'entre vous qui me l'a partagé, qui me l'a fourni in-game. Merci à lui. Donc, on le voit comme je vous l'ai dit dans une vidéo de cette semaine. On va avoir 7 marches grâce aux technologies. Donc, petit résumé de tous les leaks en cours. 7 marches grâce aux nouvelles technologies, ça, c'est du sûr. 5 nouvelles civilisations au total. Les Perses, les Grecs, l'Afrique, l'Égypte et les Vikings. Avec une note très intéressante de l'un d'entre vous, une remarque très intéressante. Les Vikings, ce n'est pas une civilisation. Donc, c'est notable et c'est effectivement vrai. 4 nouveaux commandants épiques et un confirmé qui va arriver très prochainement. Le Viking, évidemment, il va aller en binôme avec Harald, hein, ce commandant Viking qui devra arriver coming soon. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, un nouveau commandant viking. Et surtout, regardez cette information que je ne vous avais pas encore partagée et que je n'avais pas relevée pour le moment. On va avoir un nouveau commandant en expédition. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être un coffre et on va pouvoir choisir entre Etelfleda et ce nouveau commandant d'expédition? Vraiment, là, je suis dubitatif. J'attends de voir comment ils vont faire pour nous l'ajouter. Mais ça reste une information extrêmement intéressante. J'espère que ça va arriver vite. Il faut savoir que là, tout pleut. Hein. On a le KVK qui vient de se déclencher. Il s'est déclenché sur pratiquement tous les royaumes. On a les events saisonniers qui arrivent. Les events liés au crossover avec Ninja Gaiden. Donc, c'est vraiment énorme en ce moment, les amis. Et on va pouvoir se faire plaisir. Mais attention aussi à veiller à ce que Lilith ne nous fasse pas des patchs en secret, encore une fois, comme on la voit avec les barbares et le drop rate. On en revient donc à présent aux events qui sont en cours, les amis, et on a toujours cette roue de la chance, hein, cette roue de la chance. Alors, contrairement à la dernière roue de la chance, on n'a pas plein de joueurs qui nous indiquent « Oui, j'ai eu trop de chance, j'ai eu 8 têtes, 8 sculptures en or directement dès mon tour gratuit. » Là, on le voit bien, il n'y a pas de 8 sculptures en or dès mon tour gratuit. Je fais d'ailleurs le mien et on regarde, hein, je vais avoir quoi? Je vais avoir une sculpture. C'est pas mal, je ne me plains pas, hein, j'ai beaucoup plus de chance que par le passé. Il reste un jour 18h, donc oui, je suis sur Guillaume 1er. Il reste un jour 18h, il va falloir que j'aille faire mes 10 tours. Donc, ce que je vais faire mon lancer à 50%. Demain, mon tour gratuit. Et pour finir, donc une 2 étoiles, ça ne sert pas à grand chose. Et pour finir, ça ne sert pas à grand chose parce que j'en ai vraiment beaucoup des étoiles. Et pour finir, mon lancer 5 fois et j'aurai mes 10 tours. Quand je dis j'en ai vraiment beaucoup des étoiles, je dois vraiment, vraiment en avoir beaucoup si je ne dis pas de bêtises. Laissez-moi vérifier combien j'en ai, est-ce qu'il les met là? Ouais, vous voyez, j'en ai 2192, donc ça me permet de monter, si je ne dis pas de bêtises, un truc genre 4 commandos au max, sans compter ce que j'ai en lot d'étoiles de sculpture de lumière et sculpture de lumière d'étoiles éblouissante, bénie. J'en ai vraiment énorme, plein. Donc pour le moment, on les stocke, on verra bien à quel moment on les utilise. Au niveau des autres events, rien de particulier, sauf
un truc que je ne vous ai pas montré sur la balade de Yann. Pour ceux qui l'ont pop et ceux qui vont l'avoir très prochainement, il y a eu une mise à jour qui a été faite, qui était passée dans le patchlog. Maintenant, lorsqu'on fait la balade de Yann, regardez, déjà ils ont changé le screen. C'est vraiment beaucoup mieux en termes d'affichage, beaucoup moins naze et beaucoup plus lisible que l'affichage des 4 côte à côte, comme ça un peu en damier. Regardez maintenant, on est 5, donc on fait cet event, la balade de Yann à 5. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on est 5, ah d'ailleurs, j'ai pas le premier, mais j'ai les deux autres. Hein, j'avais pas vu, j'ai cru qu'on avait tout fini. Bref, donc même si on est 5 à présent, le niveau ne me paraît pas avoir été augmenté. Donc on est plus au même niveau. C'est dommage, ils auraient dû augmenter les récompenses, augmenter également la difficulté pour que ce soit plus sympa à 5, parce que là, c'est à présent extrêmement facile. Et en parlant de récompenses, certains d'entre vous s'interrogent sur les récompenses du KVK, du pré-KVK justement, et ce que gagne chacun des royaumes. Vous le voyez au niveau des royaumes. Alors déjà, ce que vous avez vu, c'est qu'on n'est que 8, hein, nous, sur notre KVK, même si on en aurait qu'un thème. Ça veut dire qu'on n'est que 2 par camp. Donc, il faut tomber avec le bon royaume. Mon dernier Heroic Anthem, on était 16, si vous vous souvenez bien. Donc, c'était vraiment beaucoup plus intéressant. Là, du coup, on aura moins de lag à 8, puisque c'est comme un KVK standard. Et pour les récompenses individuelles, alors vous allez me le confirmer, mais il me semble effectivement que les récompenses individuelles du classement du pré-KVK ont diminué. Alors, encore une fois, hein, si certains d'entre vous ont des screens de ce moment-là, alors je pourrais aller revoir dans mes anciennes vidéos, remarque, mais j'ai l'impression que ça a diminué. Ce qui me fait interroger, c'est ces sculptures en or-là. Il me semble que le premier, par le passé, au pré-KVK, obtenait pas 60 sculptures, mais 80 sculptures. 60, c'était la récompense du deuxième, et il n'y avait que les 10 premiers qui avaient des sculptures en or. Il me semble, encore une fois, je n'ai pas souvenir que les 300, même que les 1000 premiers récupèrent des sculptures en or. Donc je pense qu'ils ont diminué le niveau des rewards pour les sculptures en or pour le premier et les premiers. Et de l'autre côté, ils ont été plus loin dans les récompenses en donnant jusqu'au millième classé. À vérifier si vous avez des screens ou une excellente mémoire sur le sujet, n'hésitez pas. Je n'ai jamais été premier, ni deuxième, ni troisième en pré-KVK. Donc, je n'ai pas souvenir exact du nom, mais il me semble que c'était 80. Encore une fois, si vous avez un screen, n'hésitez pas à venir sur Discord et à le partager avec nous ou à mettre en commentaire, vous, si vous vous rappelez que les récompenses étaient plus élevées. Car encore une fois, s'ils les ont baissées sans le dire, c'est un petit peu ce qu'on appelle du silent patch. C'est un petit peu traître, je trouve, ce genre de choses, exactement comme le drop des barbares, le drop des équipements sur les barbares dès qu'on atteint les 30 barbares tués. Pour finir, les amis, je vais répondre à une question que vous me posez pratiquement tous les jours en commentaire ou des vidéos sur Discord sur les clés en or et les coffres d'or. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue d'attendre le patch du mois d'avril et à ce moment-là, on pourra claquer ses clés s'il y a un patch ou pas, s'il y a un patch pertinent ou pas. Pourquoi on attend? Puisque comme je vous l'ai montré, ils vont rajouter des nouveaux commandants épiques, des nouveaux commandants légendaires. Donc, ça serait dommage que des commandants soient rajoutés dans la liste des coffres en or et qu'on ait claqué toutes nos clés. On ne pourrait pas en profiter. Donc, regardez là, la liste, on la connaît. Elle est limitée à 10 commandants pour le moment. Mais s'ils en rajoutent et qu'on vient de claquer 100, 200, 300, 1000, 2000 clés en or à ouvrir et qu'on ne peut pas bénéficier des nouveaux commandants, ça serait vraiment dommage. Donc oui, moi-même, je continue de garder mes clés et je vous conseille aussi de le faire. Alors vous le voyez, je garde aussi mes clés en argent. Je garde mes clés en argent parce qu'elles ne sont pas très utiles. Donc autant les garder si un jour elles deviennent utiles. À ce moment-là, j'aurai un stock intéressant. De toute façon, je conserve toutes mes clés. Vous savez, je suis un amasseur. Je conserve tout en ce moment. Donc n'hésitez pas à les conserver et on attend le patch d'avril et en fonction de ce patch-là, on ouvrira ou pas nos clés. Et je vous dirai, moi, à quel moment je les ouvre. N'ayez pas peur. Pour le moment, on garde, on attend. Il n'y a pas besoin de se précipiter, de toute façon, dans l'ouverture de ces clés. Vous le savez, le temps, c'est des gemmes. Et les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, c'est la vie. Donc, on essaie d'optimiser tout ce qu'on claque.
Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, les amis, ça me fait vraiment très, très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.